Eh bien, on se retrouve, bonjour à tous et à toutes, c'est Olivier Plasma, et on se retrouve directement à cet endroit précis. En fait, j'ai pas éteint la console, tout simplement. Et il demande de faire Z plus R. Ah ouais, c'est ça. Ah, fallait juste faire ça, en fait. Ah, heureusement qu'il est là, quand même, hein, des fois. Le petit chien-chien. Bien plus utile que... qu'une fée dans Zelda. Je m'appelle Fée. Maître, il y a une porte devant vous. Maître, je suppose que ces tentacules viennent d'une pieuvre. Ah, c'est magique, c'est magistral quand même ce personnage. Que de souvenirs. D'ailleurs, il me semble que il va y avoir un Zelda Breath, pas Breath of the Wild, un Skyward Sword sur Switch en HD. Ça me tenterait bien de le prendre, tiens. Il était quand même vachement bien ce Zelda. Bon, moins de challenge que les anciens, mais allez, d'accord, fallait juste faire ça. C'est magnifique. Moins de challenge que les anciens Zelda, mais quand même. Mais il était fun. Bon, ça reste moins bien qu'un Ocarina of Time ou qu'un Twilight Princess, voilà, mais... Un boss. Est quand même vachement propre le jeu, hein. Qualité, c'est sûr là, c'est du full HD. Hein. Le professeur catastrophe. Comment va-t-on le sauver? Les petites notes, hein, vous aurez remarqué évidemment les petites notes de Luigi's Mansion 1. Pam pam pom. Ah, pour l'instant, franchement, je le trouve vraiment sympa le jeu. Que ce soit au niveau de l'ambiance générale, la bande son, elle est vraiment pas mal. C'est un côté un peu jazz comme ça, mais lugubre. C'est plutôt bien trouvé parce que ça... La bande son va très bien avec ce que l'on voit à l'image, quoi. C'est tout. Un hôtel un peu de luxe. Mais hanté. Hop, chope des trucs. Enfin, pas qu'un peu de luxe. Totalement. Allez, le sac de trucs... voilà, je me disais bien que ça allait donner plein de dollars. Donc là, il y a les masques de la Casa de Papel. La Casa de Papel. Ah putain, les reflets, le spéculaire là au sol. C'est quand même bien fait. Putain, c'est quand même bien fait.
Techniquement, il me faisait un peu peur, le jeu. Au début, quand on voit la cinématique, même l'écran titre, où on voit les montagnes là au loin qui sont à peine modélisées, ça fait un petit peu peur. Mais bon, en même temps, ça reste quand même joli, mais il y a des petits ratés comme les montagnes qu'on voit au loin, mais... Après, c'est un jeu, on est toujours en intérieur, donc de toute façon, les montagnes, on les voit qu'à l'écran titre. Hein. Tu me diras. Hop! D'accord, faut arracher les vêtements. Hein. Putain, on dirait des vêtements de Pinocchio là. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est tout petit. Quoique, c'est la taille de Luigi. Hein. Bon, à part ça, ça c'est pour la. Hop! La femme fantôme là. Bon, ça doit être juste des collectibles, ça, finalement. Du coup, si, X est bien pour interagir, mais on peut plus taper. Comme sur GameCube. Enfin, ils l'ont enlevé, d'ailleurs, cette fonction sur... sur 3DS. Ah bah voilà. La clé is here. C'est un truc que j'aurais pu louper, ça. Je suis du genre à pas être... pas vraiment faire attention à ce genre de choses. Des fantômes. Et il y en a deux. C'est compliqué. Boum. Boum. Mais pourquoi l'autre fantôme il fait rien? Il est stupide, l'autre fantôme, là. Il attendait son tour. Ah, au moins, sur GameCube, ils attendaient pas leur tour. Ils attaquaient. Bon, après, on est au début. On est qu'au début. Mais là, j'aurais cru être dans Assassin's Creed. Comment ça se passe? Ah, bah c'est là-dessus qu'on voit le plan, du coup. Ah, X. Ok, on peut zoomer. C'est un peu flou quand même. Ah, c'est un meilleur rendu sur la capture, tiens. Ah, ça a plutôt un bon rendu sur la capture. Comme moi, ça rend un peu flou. Marron. Après, télé 55 pouces, c'est un peu grand. C'est ça. Quand on zoome sur une texture... Ah, petite araignée. Ah, on peut pas la choper. Allez, saloperie. Purée. Saloperie. Ah. C'est bon. Ah. Dans un jeu comme Resident Evil, ils auraient juste mis un vieux dialogue. Vous pouvez pas ouvrir de ce côté cette porte, voilà, elle est bloquée de l'autre côté. Vous pouvez pas ouvrir la porte. Et voilà, il y a carrément une animation. Le souci du détail. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Je suis bête. J'ai récupéré la clé, c'est pourquoi. C'est pour me curer le nez avec. Hop. Bah. Pourquoi il est resté sur place? Wow, Luigi, il stresse trop là. Ah, si on jouait dans Amnesia, là, si on était dans Amnesia, je sais pas si Luigi pourrait continuer d'avancer. Hein. Attention. Ah bah c'est ça. Le retour de la lampe multicolore. La lampe Nyan 4. Ah c'est X.
C'était Y sur 3DS. Il me semble. Ah, bizarre. Bah écoute, je vais me choper l'araignée là. Oh, voilà. Ah, c'est pas facile de viser. Ah, sur GameCube, j'y arrivais mieux. C'était plus simple. Je sais pas, leur système est un peu bizarre, faut comprendre le truc. Hein. Je suis obligé d'utiliser mes deux mains pour bien viser. Ah, ça c'est compliqué, c'est compliqué. Alors que sur GameCube, on avait un truc, comment dire, ça pouvait complètement stopper et quand on bouge, on pouvait rester vraiment pile poil au même endroit. Quoi. Ah, là, c'est que c'est le stick, il est sensible. On peut pas voir les tableaux. On peut pas avoir une vue à la troisième personne comme sur GameCube. Ah, ils ont quand même enlevé des trucs. Hein. La vue à la troisième personne avec la Game Boy Horror. Ah, c'est ici. Ah bah oui. Crash au pouvoir de Nyan Cat. Eh ben on peut libérer les otages qui sont enfermés dans leur tableau. Ah, Luigi, c'est toi mon garçon. Que fais-tu dans un endroit pareil? Enfin, nous parlerons plus tard. Là, ce n'est vraiment pas le moment. Tu t'en sortiras avec brio. Brio, c'est tout ce qui compte. Luigi, partons au plus vite. Cet hôtel est rempli de fantômes. Partons vite. Quel es-tu? Tous tes amis ont été capturés. Et tu ne peux pas les abandonner ici. Tu n'as vraiment pas changé, Luigi. Toujours à faire des caprices. Ah oui, c'est un sans-cœur, professeur catastrophe. Bref. On peut quand même dire que tu as de la chance, car comme toujours, le professeur Karl Tastrophe a une idée. Tout d'abord, Luigi, allons à ma voiture, ma Batmobile Catastrophe. Tu me feras-tu l'honneur de m'y emmener? Dis-moi, ce nouvel estroblast Glu, tu l'as pris dans ma voiture, c'est bien cela? Nous devons retourner au garage au plus vite. Il est au sous-sol, allons-y. Oh, c'est pas mal ça, on va avoir une phase de con. C'est quoi? Et comment il court? C'est énorme. Ça ne veut rien dire. Putain, ça ne veut rien dire quoi, son animation. Même quand il marche doucement quoi. Luigi, mon garçon, regarde un peu là-bas. Grâce à cet ascenseur, nous arriverons au garage en rien de temps. Dépêchons-nous d'y aller, avant que les fantômes ne nous retrouvent. Hop. Oui, fameux ascenseur. Ah, mais si je chope ça à chaque fois, je gagne des pièces, oui. Ah. Hop. Luigi, regarde un peu tout cet argent. Cet hôtel est certes dangereux, mais ce n'est pas une raison pour négliger l'aspect financier. Bref, je te serai gré de te remplir les poches. Cet argent pourra toujours nous servir, alors prends-en autant que tu veux. Hop. Bon, je sais plus du tout s'il y avait un système de crafting avec de l'argent et tout dans Luigi's Mansion 2. Il me semble, mais je sais plus. On va voir à quoi ça va servir. Onde à l'extroblasme. Quelqu'un a retiré les boutons de l'ascenseur. Mais que se passe-t-il ici? Je présume que nous nous occuperons de ce mystère plus tard. Pour le moment, contente-toi d'appuyer sur le bouton B1. Ah bon, on l'a fait tout à l'heure en fait ça. À ma connaissance, aucun de tes amis n'était
siéger avec moi au deuxième niveau. À mon avis, on a pris soin de les emmener plus haut dans l'hôtel, ce qui veut dire que nous aurons besoin des boutons d'ascenseur. Nous aurons grand besoin même. Alors, c'est où qu'il faut aller? Tac tac tac, c'était où déjà? C'était à gauche, je crois. Ah, fiche! Ah, ça m'a vraiment surpris en plus, ça. Le fichtre. Hop. Alors, on va combattre un majordome. Enfin, un porteur de bagages. Je sais même pas comment... Oh ah, faut qu'il balance son truc. Bon, il est pas très difficile. Non, j'espère que c'est comme dans Luigi Mansion 1, que les boss, quand même, ils seront plus intéressants après. Et qu'à chaque fois, une énigme pour savoir comment l'éclairer. Parce que là, l'énigme en elle-même, c'est juste on l'attend qu'il balance le truc et hop, on l'éclaire. C'est facile, quoi. Moi, je me souviens, le tout premier boss dans Luigi Mansion, il fallait attendre qu'il baille. Et pour savoir ça, pour qu'on puisse le choper. Et pour savoir ça. Eh bien, il faut d'abord le scanner avec la Game Boy Horror. Là, il n'y a pas eu grand-chose à faire. S'ils appellent ça... Si ça, c'était un boss, bon. Ah. C'est parfait. Oh, des boutons d'ascenseur. Je n'aurais jamais soupçonné ce fantôme de les avoir chapardés. Hélas, il n'y en a que deux. Se pourrait-il que les autres boutons soient gardés par d'autres fantômes? Peu importe, allons plutôt à ma voiture. J'ai quelque chose de fascinant à te montrer. Je pourrais installer un processeur i9 dans ton Dextro Blast 3000, Luigi. Ah oui, je sais, c'est une vieille voiture. Hop. Ne touche pas à ça, c'est collecteur. Quelqu'un m'a aidé à faire cette machine. Il est passé sur Striptease. Il appelait ça une soucoupe volante. Moi j'appelle ça un labo. Madre mia. Bienvenue dans mon labo. Oui, il s'agit d'une de mes inventions géniales, un laboratoire portable. Il est solide, sécurisé, équipé de la climatisation. Oui, je sais, ça pollue. J'ai toujours su qu'un jour, j'en aurais besoin. N'ai-je pas bien fait de l'apporter? Oui? Tu veux connaître les raisons de ma présence dans cet hôtel? C'est un peu compliqué. J'ai été piégé. J'ai reçu une invitation de sa prétendue... propriétaire.
Cette personne m'expliquait, par force détail, qu'elle possédait une merveilleuse collection de fantômes, recueillis dans le monde entier. Et Luigi, s'il te plaît, ferme-la quand je parle. Quel spectrologue digne de ce nom aurait refusé cette offre? Aucun, bien sûr. J'acceptais donc cette invitation. Hélas, dès mon arrivée, je dus me rendre à l'évidence. C'était un piège assez grossier. Elle m'a immédiatement capturé et dérobé ma précieuse collection de fantômes. C'est terrible! Tout ce que j'ai récupéré dans Luigi's Mansion 1, perdu, évaporé, il s'agit de tous les fantômes que tu as été évertué à attraper. Le robot était dans l'eau, bien sûr. Sa perte m'affecte terriblement. C'est un peu mon chouchou. Que dis-tu? Le robot est en liberté? Non, d'un ectoplasme. Qu'a donc fait cette propriétaire de malheur? Luigi, tu es notre seul espoir. La tâche que je te confie est immense. Tu dois absolument récupérer ma collection. D'ailleurs, puisqu'on parle de la collection, donne-moi tous les fantômes que tu as déjà capturés. J'en ai capturé 5. Très bien, continue de capturer ces fantômes et reviens au labo. Je vais préparer la galerie pour que tu puisses admirer tes captures. Oui, pourquoi me regardes-tu ainsi? Aurais-je oublié quelque chose d'important? Une petite compensation, je voudrais une nouvelle lampe en tant que stagiaire. Oh, effectivement, j'ai oublié tes amis et ton frère, mais où avais-je la tête? Toujours est-il que, pour les retrouver, tu devras bien explorer l'hôtel et capturer des fantômes. Et pour t'aider, je n'ai rien de moins à te proposer que ma toute dernière invention de génie. Je l'ai baptisé, le Virtual Boo. Alias Virtual Boy. Il a fait un four à l'époque. Mais j'ai pu le récupérer. Oui, ou le VP, pour faire court. Il s'agit d'un appareil révolutionnaire de réalité virtuelle qui a été créé en 1980, enfin dans les années 90, je sais plus trop quoi. Et ça a fait un four. Parce que bon, ça a explosé un peu les yeux. Et regarde-moi ce superbe écran rouge, tout le monde aime le rouge. Hein. Évidemment. Dès que je le commercialiserai, il va s'en vendre comme des petits pains. Enfin j'espère qu'il se vendra mieux que le Virtual Boy. Enfin bref, utilise le VP quand tu veux communiquer avec moi. Nous devrons sûrement effectuer un test de communication plus tard, d'ailleurs. Appuie sur plus pour activer ton VP. Tu pourras voir, entre autres, ton objectif du moment. C'est très pratique. J'ai encore quelque chose à te donner. Tiens. C'est un détectographe. Installe-le dans l'ascenseur pour moi, s'il te plaît. Le détectographe. Je t'expliquerai son utilité dès que tu l'auras installé. Va dans l'ascenseur, je compte sur toi, mon garçon. Ok, sinon on peut faire quoi? Ah, bah c'est là qu'on a tous les trucs, du coup. Ah, ouais, bah c'est un peu comme Luigi's Mansion 2, quoi. On a une espèce d'hub central comme ça. Sympa. Mais du coup, on peut choisir les missions comme dans Luigi's Mansion 2 ou. Ah, bah non, puisque là ça a l'air d'être un. Je pense que ça se passera toujours dans l'hôtel, le jeu. Sauf s'il y a des surprises, mais... Après ce que je vois, j'ai l'impression, parce que... Dans Luigi's Mansion 2, on avait su très rapidement que ça se passait pas dans le même bâtiment. C'est dans plusieurs bâtiments. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai moins bien aimé Luigi's Mansion 2 aussi, c'est qu'à chaque fois, les bâtiments, il y en avait plusieurs, il y a plusieurs environnements, tout ça, mais... Ils étaient trop petits, voilà. On se baladait dans un bâtiment de 80 mètres carrés, quoi. C'était moins fou. Bon, j'exagère en disant 80 mètres carrés, mais quand même. Voilà, donc il y a un mode multijoueur, un guide paramètres, une galerie. Fantôme. Voilà, du coup, c'est là qu'on a le bestiaire, quoi. Ah, il n'y a que ça. Ouais, y en a quand même pas mal. Voilà, ça c'est les boss, je pense. Hein. Fantôme notable. Fantôme rare. Et fantôme tout court. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Il y a plusieurs bouts, par contre, tiens, c'est étonnant ça.
Il y a plusieurs bouts. Enfin, plusieurs sortes de bouts, alors, si... Bon, sinon, il y a les gemmes. Attends, à quoi ça sert, les gemmes? C'est juste pour les regarder? Ah. Tout seul. Ok. Oh là là, purée. Oh là là, fichtre de Zeus. Ça s'arrête jamais. Ah, d'accord. Il y a plus de gemmes que de fantômes, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment retour à l'écran titre, carte. Ah bah la carte. Ça doit être avec le Virtual Boy après qu'on peut voir la carte. Non pas retour à l'écran titre, moi je veux juste revenir, voilà, explorer l'hôtel. Ça. Hop. Très bien. Ah bah là on a la carte en haut à droite, ok, nickel. Ouais, puis c'est pas trop... C'est pas trop intrusif, hein, ça va. Non, c'est rien, ça. Ah, une vieille traction. La bonne vieille traction. Mais je préfère... mon petit train. Hop. Petite araignée. On peut vraiment pas les choper, même... Quand on est juste à côté avec l'aspirateur. C'est vraiment que... Quoique, est-ce que là on peut... Ah bah si, quand même. Là, faut vraiment être proche. Putain, il y a des araignées partout. Ça fait mal en plus. Ah bah l'ascenseur. Comme estompé, un succès. Escompté. C'est compliqué. Laisse-moi donc t'expliquer à quoi sert ce dispositif. En fait, c'est tout simple. Il extrait les cartes depuis l'ascenseur. Toutes les données extraites sont, alors, affichées sur l'écran. N'est-ce pas formidable? Mettons cela en pratique. Insère les boutons dans le panneau. Après, c'est l'épisode Professeur Catastrophe, là. Ah bah il s'est aimanté, attention. C'est quand même magique. Ça me fait penser au vis... au vis aimanté. Tournevis. Très pratique pour monter un PC. Que je n'ai pas. J'ai donc galéré avec une vieille pince. Voilà. À présent, tu peux visualiser l'agencement des nouveaux niveaux accessibles. Et c'était pas tout, Luigi. Ce dispositif est connecté au Virtual Boo. Les données seront envoyées automatiquement au Virtual Boo. Tu peux donc voir la carte à tout moment. Ça, c'est ton curfew. Ouvre la carte depuis le menu du Virtual Boo pour en voir une autre encore plus détaillée. C'est un conseil très important, un conseil d'ami. Alors, souviens-toi bien. Pour résumer, Luigi, ta carte te sera vraiment utile pour ton exploration de nouveaux niveaux. En parcourant l'hôtel, pense à chercher les boutons d'ascenseur. Ces boutons te permettront d'atteindre de nouveaux niveaux, dans lesquels tu pourras bien retrouver tes amis. Avant que tu partes, Luigi, nous devons tester le système de communication du VP. Ouvre le VP avec plus et sélectionne SOS Catastrophe. Allez, Luigi, tu peux le faire. Tu peux le faire, Luigi. Tu peux appuyer sur plus. Tu as trouvé le bouton plus sur ta manette Pro, Luigi. C'est bien. Alors, dans la carte, tu vois, Luigi, c'est vraiment pratique. On peut voir les différents étages. Enfin, c'est comme dans Luigi Motion, hein, tu me diras. Allô. Ici, Catastrophe, scientifique du Paranormal Activity. Est-ce que tu me reçois? Formidable. Le système de communication du VB fonctionne à merveille. Tu peux donc t'en servir pour me contacter à tout moment. Si tu ressens le besoin de parler, il te suffit de recommencer ce processus. Je pourrais t'aider dans les situations difficiles. Ah, tu peux aussi consulter le journal par ce biais. Dis-le-moi quand tu m'appelles. Et je te montrerai ta progression. Bref,
J'adore tester mes inventions, mais il faudrait remettre au travail. D'ailleurs, j'ai une tâche à te confier. Maintenant que tu peux prendre l'ascenseur pour aller au cinquième niveau, figure-toi que c'est là que se trouve ma chambre. Et dans ma chambre se trouve une valise. Pourrais-tu aller me la chercher? J'étais dans ma chambre numéro... Ah mince, ça ne me revient pas. Bon, tu as une carte, tu trouveras bien. Pas de chance, Luigi. Tâche de ne pas y passer. Je suis drôle. Alors, guide paramètres, ouais, comme d'habitude. Hein. Hop. Aïe. Reconnecter les manettes. Aïe, bah, ça... Ah, là, ça va. Et c'est vrai que des fois, moi, une manette, elle bug. J'arrive pas à la connecter. C'est pas terrible. Ah, bah non, pas l'écran titre. Ah, du coup, faut faire plus. Ah, bon, je sais pas comment on sauvegarde. Je crois qu'on a jamais sauvegardé. Ouais, on va aller au grand haut là. Dans l'ordre. Tranquille. Ouais, donc je pense que si ça marche comme ça, voilà, à chaque fois par palier d'étage, je pense que. Et qu'on peut y accéder que par l'ascenseur, bon, ça risque pas d'être trop labyrinthique. Hein. Donc, je pense qu'on va pas trop s'y perdre hein, dans cet hôtel. Et ouais, j'aime beaucoup l'ambiance. Ah, quoique, bah si, j'ai rien dit. Ça, là, on le voit au début. Ah, bah non, alors en fait, on peut y aller même sans l'ascenseur. Enfin. Après, ça dépend de la situation. Ah, c'est le chien ou quoi? Surfait. Bon. On dirait le chien, mais bon, je pense que c'est juste un fantôme qui a fait une blague. Ah, on peut pas choper le diamant. Ah, les effets... T'as les effets de particules, là, c'est un peu bizarre, là, quand on essaye d'aspirer le tableau. On dirait un bug graphique, un peu. Ah, forcément, là, ça fait très Halloween, hein. Hop. Sur jumpscare. Jumpscare. Ouais, ça c'est Luigi quoi. Ouais. Hop. Quand il joue à Amnesia et que d'un coup il y a un monstre. Ah. Tain, heureusement qu'on joue pas Luigi dans Amnesia, hein, parce que sinon c'est compliqué, hein, s'il est toujours en stress. Ah, parce que pour vous expliquer un peu le délire, dans Amnesia, enfin de ce que j'ai vu, hein, moi j'ai pas le jeu. Et que plus le personnage est stressé, et moins il avance, et plus il peut se faire avoir par les monstres, quoi. Et plus il est stressé, plus il a d'autres tensions, quoi, à la limite. C'est un peu ça. Et s'il est trop stressé, bah, c'est game over. Il me semble. Et pour ça, il faut rejoindre les parties lumineuses, enfin, là où il y a de la lumière. Pour déstresser. Voilà. Donc par exemple, voilà, les fenêtres là, voilà, ça génère pas mal de lumière. Donc hop, on va par là, on déstresse là, Luigi déstresse. Ça va mieux. Ah bah là, c'est quand on a vu l'araignée. Je sais pas du tout comment y aller là. Ah, la petite souris. Je sais pas du tout comment y aller là. J'ai l'impression qu'on peut passer sur la droite là. Par la droite. Donc c'est peut-être en allant là-dedans et peut-être par la gauche. Ici là. On peut pas ouvrir ça là. On peut pas. Ouais, bizarre. Ah et du coup ça. Attends, ça envoie ça. Ça sert à quoi? Ça c'est la lumière. Ouais. Ok, ok. Le tableau de catastrophe. Intéressant.
Ah, ça nous met pas par contre quel lieu on n'a pas visité. Attendez, pourquoi il y a un chemin là? Chemin rouge, je sais pas ce que c'est. Bon, est-ce qu'on peut voir la carte? Ah bah oui, quand même, ça... moi ça, je me disais bien qu'il y aura quand même un vrai menu, parce que là on a un vrai menu. On va mettre en pause. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a rien? Marty, je me suis perdu là, je sais pas en quel X, Y, Z je suis là. Les coordonnées là, si je suis en RGF-93, c'est C-47 ou c'est C-48, je sais plus Marty, je suis perdu. Ah voilà, là, je me suis retrouvé. Il faut recentrer AutoCAD, Marty. Hop. Ah oui, d'accord, faut plutôt aller au cinquième, quoi, parce que le premier, il sert à rien. Bon, allons au cinquième. Parce que je pense qu'on a tout fait, là. C'est compliqué. Ah, bah il y avait une porte en haut à droite. Bon. Ah, bah non, c'est la porte qui était bloquée. Bah, ça sert à rien. Puis là aussi, elle est bloquée. C'est quoi ce bruit? Les fantômes en bas ou comment ça se passe? Je ne sais même pas d'où ça vient. Ah bah c'est là! Bah, comment on se le fait lui? Ah c'est ça! Faut le balancer. Faut balancer les citrouilles! Hop! Ah ok, on est obligé de l'éblouir avant. Hop, Luigi le violent! Nouvelle attaque dans Smash Bros, attention! Hop. Bah, il me semble qu'il fait ça en plus dans Super Smash Bros. Son attaque ultime, non? Enfin, je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu son attaque ultime dans Super Smash Bros sur Switch. Sur Wii aussi, il a son Estoblast 3000, là, et après hop, il nous balance, mais... Il aspire et nous balance. Bon, il y avait juste des fantômes en plus, quoi. Ah mince, mais oui, mais l'ascenseur, il est là. Là, je tourne en rond. Le fichtre. Ah. C'est royal, ça, d'avoir... espèce de robot rouge, là. Espèce de télé, là. Ah bah je vais regarder mon petit Netflix. Ah vraiment pas terrible la dernière saison de Game of Thrones. Je sais même pas si c'est sur Netflix ce truc. Oh. J'aurais pas dû regarder un film d'horreur sur Netflix juste avant. Cette tête! Oh. Ah, Luigi, ça va? Tu as pas trop mal aux yeux en utilisant mon gadget? Je viens de me rappeler un détail assez important. L'Ectoblast Glue est équipé d'une nouvelle fonction fort utile que j'ai savamment nommée... savamment nommée le lance-ventouse. Appuie sur Y pour lancer le ventouse. Celle-ci adhère aux surfaces plates et lisses. Avec ton Ectoblast Glue, tu peux ensuite aspirer sa corde. Appuie alors sur A pour donner un bon coup de coup... un bon coup aux objets accrochés et les détruire. Bref, assez parlé, je te conseille de mettre tout cela en pratique dès maintenant. Mais que tout cela ne se fasse
ne te fasse pas oublier que tu as une valise à retrouver, mon petit Luigi. Hop. C'est sinistre. Allez, attends, du coup, il a parlé du lance-ventouse. Qu'est-ce que ça peut faire? Ah! Bah, ok. Eh ben, j'ai trouvé l'utilité du lance-ventouse. Parce que j'avoue que j'essaie de faire le doublage du professeur Catastrophe, mais... je comprends la moitié de ce que je dis. C'est maléfique. Non. C'est que je m'apprête tellement dans son personnage. Ce doublage évidemment venant de Super LOL Saga. Oh. Du pognon. Ah, ce qui est bien, c'est qu'ils, c'est pas comme dans Luigi's Mansion où il y avait pendant presque tout le jeu, on avait presque toujours le même thème là, mais à chaque fois remixé. Là, on a à chaque fois un thème différent quand même pour chaque salle. Enfin, c'est plus des musiques d'ambiance, alors que dans Luigi's Mansion, c'est une musique tout court. Qu'ils aient aussi un peu ambiance, parce que quand c'est sombre, la musique a été plus plus sombre. On était surtout dans les tons graves, et quand il y a la lumière, plus les tons aigus. Où Luigi qui est en train de siffler. Mais bon, c'était toujours le même thème. Bon, même si moi je trouvais que c'était pas trop un défaut, parce que à chaque fois ils arrivaient à renouveler le thème. Mais... bon, pour certains, c'est un défaut. Là c'est différent, et puis c'est plutôt bien, je trouve. Parce que j'avoue que dans Luigi's Mansion 2, les thèmes, ils sont sympas, mais il est moins bon quand même. L'ambiance, elle est moins bonne. On y croit moins. Ça, toutes les animations, c'est quand même, ça a été travaillé quand même. Ah, il y a un fantôme derrière. Ah, je crois que ça, c'est une référence à... le rideau, là, avec la baignoire. Référence à Luigi's Mansion 1. Hop. Ah, mais il refait la même. Ouais, les vieux radiateurs. Ça doit être la chambre du professeur Catastrophe, si ça se trouve. Ah, ou peut-être pas. Ah, purée, l'extérieur, purée. Les gars, on est sur Switch quand même, les gars. Pourquoi l'extérieur vous faites en vieux JPEG? Bon. Bon, après, ouais, le manque de mémoire, bon. Bon, et puis une Switch, ça reste juste une petite tablette. Hein. Allez. Mais prochaine console, vous faites pas ça. Nintendo, c'est pas bien. Hop. Ah, souffle pas, là. Peut-être... faire ça. Ah ah. Oh, des araignées. Un peu partout. C'est difficile à viser. Ah, difficile de viser. Oh, donc là, on va avoir plein de pièces, je suppose.
Ah non, c'est pas ça. À chaque fois, je confonds le bouton, du coup. Ah, j'ai du mal à viser parce que ça marche avec le... Dis donc, Luigi, tu pourrais t'activer un peu? Il faut que tu ailles dans ma chambre pour récupérer ma valise. Tu sais où est ma chambre, n'est-ce pas? Regarde bien sur la carte de ton VIP. Ton VIP? Je me rattrape, je prononce à l'anglaise pour me rattraper. Mais en vrai, j'ai mal prononcé. Hop, 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 hop. Oula. Un rat qui sort des chiottes, quand même. Fichtre. Quand j'y pense, c'est quoi ces ronces, là? Peut-être que dans le futur, on verra ce que c'est. Ces ronces, mais... Il n'y a rien qui vaille. Ouais, par contre, on le voit où ton truc? Ta chambre. Ah ok, c'est au bout. Point d'exclamation. Ouais. Ça me fait penser à l'impact crétin, ça. Ouais. Ah mais comment on chope ce truc-là? Je pense qu'il doit y avoir une énigme à chaque fois. Toucher ça, non? Ah. Ah bah voilà. Tout simplement. Got it. Oh, un petit cœur. Alors le PQ peut nous faire restaurer de la vie. Hop. On peut se restaurer avec du PQ. C'est bon à savoir. C'est peu commun. Hop. Oula. Prends ça, femme de ménage. Hop. Bon, faut aller directement à la salle du professeur Catastrophe, quoi, du coup. À la chambre. À la cour. Ah, pas mal le design de ce fantôme. Je retire ce que j'ai dit. Quand même des fantômes qui ont un bon petit design. Bon, ça c'est comment ça marche. Ah bah oui. J'ai plein de pognon. J'ai envie de me faire du blé. Est-ce que le blé c'est si important que ça dans le jeu? Ou est-ce que c'est juste comme dans le premier et à la fin on a un meilleur manoir? Je pense pas que ce soit ça. Ou alors un meilleur hôtel du coup. Mamma mia! Hop. Oh, ce nouveau système de combat, il est plutôt jouissif. Oh, le fichtre. Pour moi, voilà, c'est quand même une bonne petite surprise ce petit Luigi parce que. Il y a un petit moment là,
C'est peut-être d'ailleurs ma dernière vidéo découverte là, c'était sur Yoshi Woolly World. Et pour moi, Yoshi Woolly World c'était une déception quand même. Et pourtant, pendant la vidéo, je disais que du bien, mais bon, je me forçais un petit peu. Bon, alors que là, j'apprécie vraiment. Même si ça paraît assez simple, là, pour l'instant, en tout cas, le jeu est facile. Mais il est suffisamment intéressant pour qu'on s'y attarde, tout simplement. Il a une ambiance, il y a quelque chose. Il y a de la magie derrière. Alors que Yoshi Woolly World, il n'y avait rien derrière, à part la plateforme. Bah, c'était vraiment... Bah, c'est vraiment un jeu pour les petits, quoi. Mais bon, je donnerai mon ressenti sur Yoshi Woolly World quand je le finirai un jour. J'ai eu trop la flemme de continuer depuis. Mais bon, je le ferai un jour, je le finirai. Mais ça donne pas du tout envie d'acheter celui sur Switch. Continuons. Alors, Luigi, où en es-tu avec ma valise? J'étais assez occupé, je reviens tout juste à mon bureau. Comment? Une femme de chambre, ectoplasmisme? C'est compliqué. C'est fait de la balle avec? Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous la récupérons à tout prix. Eh bien, ne reste pas planté là. Pars à sa poursuite. Ah, il peut pas ouvrir. Ah, ok, c'est pour ça. Ah, bah là, c'est pas un JPEG. Mais quand on était dans l'autre chambre, ça faisait JPEG. Ah. C'est rigolo. Est-ce que tu rigoleras? Ouf, après ça. Un petit diamant. Ah, parfait. Ah, mais du coup, ouais. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que en bougeant la manette, voilà, ça bouge. C'est pour ça, je pense, que j'ai du mal à viser. C'est que je pensais pas que ça marchait avec ça. Et maintenant que je le sais, je viserai mieux à l'avenir. Ah, c'est un style sympa, hein, je trouve. C'est plutôt sympa, mais. On voit très bien que techniquement, par contre, c'est très très simple. Hein. On a l'impression que ça a été fait avec Cinema 4D, vite fait. Hop. Ah. Oh, le ciel est plutôt sympa, mais... Ah, il y a quand même des dégradés de couleurs. Hein. Ouais. C'est quand même un peu... Ça bave un petit peu. Puis voilà, les montagnes dont je vous parlais, voilà. Là, on les voit, les montagnes. C'est vraiment très simpliste, hein. Ils auraient pu faire quelque chose de plus joli, quand même. Mais bon, du moins que l'intérieur soit bien fait. Et du moment que le jeu soit fun, c'est surtout ça. Faut qu'il soit fun. Oh, c'est déjà terminé. Ouais. Mon dieu, c'est avec ça qu'il se rase? Ça fait peur. Hop. Ou qu'il se coupe les cheveux. Ah, tu me diras, il est chauve. Quasiment. Oh, donc là, faut visiter quasiment toutes les chambres, quoi. Hop, celle-là. Ah bah, elle est là. Ah, c'est plutôt simple, hein. Ah mince. Mais ça marche comment? Où est-ce qu'il faut la balancer? Ah. Oh, cette femme de chambre ectoplasmite nous résiste. Nous allons devoir nous montrer plus malin qu'elle. La valise qu'elle a ingurgitée est aussi plate que solide.
essaie d'aller voir au lance-ventouse. Ah, lance-ventouse, j'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Oh. Attendez. Hop. Voilà. Petit passage secret. Ah, ça c'est lance-ventouse. Hop. Hop. Ah d'accord. Je me fais encore de la thune. Balancer ça. Hop. Yes. Hop. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. C'est nickel. Bon, on va faire quasiment 1h10, 1h15, je pense, de vidéo, là. On est à 55 minutes. Ça peut être pas mal. C'est quoi, ça? Ah. Hop. 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 Tu l'as senti passer, ça. Fichtre. Ah. Hop. Allez hop. Oh, oh, oh. Oh, c'est violent quand même, hein. Pour les enfants, c'est compliqué. Ok, il y a la main de Bowser qui ressort. Ah, attendez, il y avait un secret là. Ah, purée de fichtre. Ah, faut que je revienne dans la salle. Au fait, mon petit Luigi, savais-tu qu'à chaque fois que tu franchis une porte, ta progression est automatiquement sauvegardée? Enfin, presque automatiquement. Ce ne sera pas le cas si tu cours de salle en salle sans t'arrêter. Par contre, Si tu t'attardes au moins 10 secondes dans une salle avant de franchir une porte, là tu peux être sûr que ce sera fait. Bah merci. Ah oui, de toute façon, on voit en bas à droite sauvegarde, ok. Hop. Là en fait, faut envoyer les petites boules dans le trou, je pense. Attention, on fait comme ça. Ah bah oui, c'est plus simple. Ah, le fichtre. Le fichtre. Voilà. Non mais là j'ai GG là. J'ai un succès là, j'ai un truc. Non. Mais c'est nul. Attendez. Si j'en mets une deuxième. Ah je pense pas en fait. Allez, je crois que je vais laisser tomber. Ouais tant pis. Hop, on regarde le... Hop. Murée. Le truc Amazon, là. Voilà. Le carton Amazon. Voilà. Peut-être par là. Bon, elle est facile à trouver, à chaque fois on tombe sur elle. C'est le bouton Y, je crois. Oh, moins 20. Voilà, comme ça. Hop. Hop. Reprendre de la vie, voilà. Bon, elle est pas là.
Hop. 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 Oh bah c'est de la maltraitance là. Non. Choupé. Oula la musique. On aurait dit du Kirby. Oh, en plus de ma valise, il semblerait que tu aies récupéré un bouton d'ascenseur. Bravo, Luigi. Maintenant, reviens au labo. Revenons à l'ascenseur. Ça, on peut pas passer. Parce que là, il y a une porte. Ah, ça tient pas. Ah, mais faut faire là-haut. Non. Ah, attendez. Faut viser, mais... Ah, j'ai pas trop comment. Voilà. Oula. Bah, parfait. Pardon. Hop. 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 Drôle. Attention. Attention l'autre qui frappe. Attends, il est fou. Celui-là, il est en forme. Hop. 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 Ah, il a mangé un lion ce matin. Ah, alors. Ah bah du coup ça maintenant. Voilà, on peut le renverser. Ok. Il purée 250. Il va pas être facile à avoir celui-là. C'est qu'après il va s'enfuir, non? Faut le choper. Si c'est comme Luigi Mansion 1, celui-là il s'enfuit. Ah purée de fiche. Ah, je crois que j'allais me viander. Parfait. Je crache des pièces. Hop, là aussi. Il n'y a pas grand chose. Ah, c'est pas mal l'effet, là. Tous les draps qui sortent, là. Enfin, tous les t-shirts, je sais pas. Hop, toute la lingerie. Très intéressant. Farce aux friandises. Non, bon, faut juste revenir. Je pense qu'on va s'arrêter quasiment là. Oh, oh yeah. Luigi, retirez bien que tu viens de gagner l'accès au troisième niveau. Avant de t'y rendre, aurais-tu l'obligeance de repasser par le labo pour me rendre ma valise? Ok, bon, le labo, il est par là. Quoi. Hop. Tu. Ah ouais, bah c'est un temps de chargement camouflé, c'est ça. J'ai senti que ça... qu'il y a eu un petit freeze, un petit ramage. Hop. Oh,
En mode Sonic là. Le labo. Ah, Luigi, tu es de retour. Je te serais gré de me rendre ma valise. Ah, bah mia. Hé, hey, voilà, nous allons enfin pouvoir utiliser ça en combat. Mon grand âge m'empêche malheureusement de chasser les fantômes. Plutôt que d'abandonner ma passion, je me suis créé un assistant. Évidemment, il a la même tête que toi, Luigi. Laisse-moi te présenter la toute dernière invention du génial professeur Catastrophe. J'ai Luigi. C'est grâce à ça que vous pouvez jouer à deux. Sa conception ne s'est pas faite pour encombrer, mais... sans encombre. Je dis n'importe quoi, mais quelqu'un m'a aidé à tester le prototype. Pardon ? Tu n'en vois pas l'utilité ? Calme-toi, mon garçon. Luigi, peux-tu te tourner, s'il te plaît ? Je voudrais connecter ceci à l'estoblast glu. Hop. Bien, tout est prêt. Luigi, il est temps de t'entraîner. Si tu veux bien me suivre dehors. Hop, hop, hop. C'était quand même visible, hein. Yark, tu es pris au piège, Luigi. Oh, allô, mon garçon, je plaisante. Enfin, cet entraînement requiert malheureusement de t'enfermer dans une cage. Pourquoi? Eh bien, parce que tu vas devoir en sortir à l'aide de Geluigi. Invoque Geluigi en appuyant sur R pour le renvoyer dans l'estoblast glu. Appuie deux fois sur R. C'est très spécial. Et voilà, je te présente ton nouvel assistant personnel. Il s'appelle Luigi. Geluigi peut se faufiler dans des endroits étroits. Comme au travers d'une grille ou à l'intérieur d'une bouche d'aération. Son corps est totalement malléable. En somme, c'est mon chef-d'œuvre. Vas-y, mets-le à l'essai. Ah, et du coup, Luigi à côté, il dort. Hop. Très bien, tu ne devrais pas avoir trop de mal à le contrôler puisqu'il a les mêmes déplacements que toi. Alors, autre chose, quand Geluigi est présent, appuie une fois sur R pour permuter entre les deux. Du coup ça... Oui d'accord. Hé, Geluigi n'est pas imperméable. Au moindre contact avec de l'eau, il se dissout immédiatement. Tâche de garder ceci à l'esprit. Hop. Hop. Et du coup, faut aller où là? Bah, faut contourner quoi. Quoi? Bah, y avait pas d'eau là. Comment ça se passe? Ah! Faut faire à distance. Et qu'on change en même temps. Oh, bravo, Luigi! Ton entraînement est terminé. Je peux te confier, Geluigi, sans remords. Retournons là-bas. Bravo, Luigi! C'est excellent, mon garçon. J'ai d'ailleurs quelque chose à te dire. Les capteurs du labo ont détecté un bâtiment pour le moins mystérieux. Figure-toi qu'il s'agirait d'une tour très impressionnante, et qui plus est, juste à côté de ses hôtels. Je suis bien conscient que pour toi, l'essentiel, c'est de retrouver tes proches. Mais tu peux trouver le temps d'y aller, d'y jeter un coup d'œil, non? Hop, je parie qu'elle grouille de fantômes. Tu vas pouvoir mettre des aptitudes à l'épreuve tout en rendant service à la science. J'ai d'ailleurs créé un accès à cette tour. Depuis le labo, il te suffit de sélectionner multijoueur, puis tout rentrer. Bonne chasse. Ah, avant que j'oublie, si tu te sens un peu seul, ou si tu as besoin de te détendre, tu peux jouer au jeu de l'étrange. Jusqu'à 8 joueurs peuvent y prendre part. Et comme on le dit si bien, plus on est de fous, plus on rit. Bon,
On dirait que j'ai perdu le fil. Ah oui, ça me se revient. Tu as maintenant accès à un nouveau niveau. Prends l'ascenseur pour te rendre au troisième niveau. Ah bah si c'est pour la science, hein. Allons-y. Hop. Bon bah voilà, je pense qu'on va se finir là-dessus. On a le G-Luigi, ça c'est bon. GG Luigi, j'ai envie de dire. Par contre les sauvegardes, je sais pas trop comment ça se passe moi. Si je fais retour à l'écran titre, quitter le jeu et retourner à l'écran titre, les données sont sauvegardées, seront perdues. Si je passe, par exemple une porte, ça va me mettre sauvegardé. Voilà, sauvegarde. Donc là je vais quitter. Retour à l'écran. Ah, et d'ailleurs dans le menu j'ai vu qu'il y avait le labo, peut-être que plus tard on va avoir un objet qui nous permet de se téléporter au labo directement. Je ne sais pas, peut-être. Ah, là l'écran titre il est un peu mieux qu'avant là. De nuit. Ça rend mieux. Ouais, et du coup, on a la tour hantée en plus. Et jeu de l'étrange qui était direct, déjà. Et on voyons. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'y ai joué que 6 minutes 38. Mais non, c'est qu'il est déjà mêlé. Non, il y a un problème. Si, ça doit être ça. Si, il est déjà minuit. Hop. Ah, c'est ça. Et du coup, il y a plusieurs sauvegardes. C'est marrant, ça. Ah, mais ça sauvegarde automatiquement, du coup. C'est pas mal. Enfin, du coup, faut le savoir. Bon. Mais bon, je vais recharger. Voir combien de temps ça prend à charger. Parce que les temps de chargement, à part quand on est dans l'ascenseur, il n'y en a pas beaucoup, finalement. Il n'y en a que lors des cinématiques, des fois, au tout début. Bon, d'accord, on n'en a eu que au tout début, hein, finalement. Oh, ça c'est assez rapide. C'est assez rapide. Et on est vraiment, voilà, l'endroit où... On en a quitté, qu'on a fait retour au menu principal, voilà, tout simplement. C'est pas mal. Ah, et là, on peut faire... Ah purée, toujours du mal à viser quand même. Bon, sur ce... Voilà, Luigi, il s'est fait un peu les poches, là, à la fin. C'est magnifique. Sur ce, je vous dis à la voyure pour une nouvelle aventure et pour une prochaine et une dernière partie sur la découverte de Luigi's Mansion 3. Attention, jumpscare. Fichtre.